C'était Michael Streicher, ou Michael Streicher, si vous voulez, comme c'est marqué dans les, sur l'album. Matovu, une autre version de cette belle phrase, de cette bénédiction, qu'il y a justement par Jacques Balak. Revenons à notre réflexion sur la prière le jour du jeûne. La prière du jour du jeûne est très particulière parce qu'elle n'est pas la même entre celle que fait le particulier. Ce qu'on fait à voix basse, quand je parle à la prière, c'est l'Amida, hein. C'est ce qu'on appelle les 18 et 19 bénédictions. On appelle les 18 bénédictions, mais en fait, il y en a 19. On ne répétait pas. Et de cette Amida, où le jour du jeûne, eh bien, le Shaliar Tzibour, au moment de la répétition, eh bien, il ne fait pas 19 bénédictions, il en fait 20. Et oui, puisque le rajout spécifique au jour de jeûne qui s'appelle Anenu, parce qu'il commence par le mot de Anenu, réponds-nous, est constitué en fait d'une bénédiction en plus qu'on fait entre la 7e et la 8e bénédiction, entre la bénédiction de la délivrance, Goël Israël, Erefaïnu, guéris-nous. C'est là où il y a les jours de jeûne dans le traité Ta'anit, qui parle des jours de jeûne pour la pluie, où il y avait à ce moment-là un rajout où au lieu de 18 bénédictions, il y en avait 24. Et le rajout se faisait à cet endroit de Goël Israël, avec donc un rajout de 6, tiens, encore 6 bénédictions qui, ce qui étaient rajoutées les jours de jeûne. Alors, quand on est un jour de jeûne de deuil, enfin, un jour de, qu'on appelle Ta'anit Tzibour, un jeûne public, il y a une bénédiction qui est rajoutée aujourd'hui, qui est Anenu, mais seulement
pour le Chaliard-Tibourg, ça c'est spécifique pour le ministre officiant, le tout un chacun rajoutera à Nénou, oui, mais inclus dans la 16e bénédiction. 16e bénédiction, c'est la bracha de Shema Kolenu, écoute notre voix, qui est fini par Shomer Atefila, qui écoute la prière. On voit ici le caractère fondamental qu'il y a dans le jour de jeûne. D'ailleurs, le rajout s'appelle Anenu, réponds-nous. Dans Ta'anit, il y a une sorte de Einoui, et c'est l'origine de Ta'anit, c'est la notion de mortification, mais aussi la notion de répondre. Alors, ça s'est écrit pas exactement pareil. Il y a un problème de ponctuation, de dagesh, Einoui ou Einoui. C'est pas tout à fait Anenu, c'est réponds-nous. Anenu, c'est mortifie-nous. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut faire attention hein, quand Anenu, et non, c'est pas Anenu, c'est Anenu. Anenu, sans dagesh, sans point, sans appuyer sur le nous. Enfin, il y a quand même une relation assez intéressante entre le jeûne et le fait d'être exaucé, d'être écouté au jour de la prière. La prière de cette bénédiction de Shema Kolenu est une bénédiction très spéciale. C'est la dernière des, ce qu'on appelle des brachot emtsaïot, des brachot médianes de l'Amida. Vous savez, toute Amida, toute prière a trois bénédictions d'introduction, trois bénédictions de conclusion, et un corpus central qui est constitué soit d'une bénédiction quand c'est un jour de Shabbat, un jour de fête, ou de 13 bénédictions quand c'est un jour de semaine. Voilà, donc un jour de semaine, 13 bénédictions. Les autres jours, jour de Shabbat, jour de fête, c'est une seule bénédiction qui est plus ou moins longue. Et jour de Rosh Hashanah, il y a trois bénédictions dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Mais enfin bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais ce qui est remarquable, c'est que donc un jour de semaine, il y a 13 bénédictions. Et la 13e, c'est cette bracha, cette bénédiction de Shema Kolenu. Elle est tellement importante que pour le Rama, Rabbi Moshe Serles, qui est ramené dans le Shulchan Aruch, chapitre 109, alinéa 1. D'une façon générale, vous savez, il faut essayer toujours de s'arranger pour répondre au Kaddish, ou à la Kedusha. Hein, on s'indexe sur la Tefila pour s'arranger, pour pouvoir répondre à ces moments importants, Kaddish, Kedusha, Baruchou. Eh bien, le Rama dit que répondre Amen à la bénédiction de Shomer Tefila, c'est de la même importance. C'est-à-dire on doit s'organiser de telle sorte à ce que, par exemple, si on est arrivé en retard et que on va faire sa Amida, eh bien on doit s'arranger pour avoir terminé sa Amida avant que le Chaliard Tzibour, le ministre officiant, arrive à cette 16e bénédiction, 13e des bénédictions centrales, pour pouvoir répondre à Amen et cette bracha. Ça nous donne son importance. Et dans cette bénédiction de Shema Kolenu, où au niveau du particulier, on peut rajouter des demandes personnelles. C'est là où on peut demander personnelles, c'est dans cette 16e bracha. Mais sinon, le seul rajout, on va dire, officiel, international, entre guillemets, eh bien, c'est le rajout des jours de jeûne. D'où son importance qui est forte. Alors ça, c'est pour le particulier. Mais pour le Chaliard Tzibour, pour le ministre officiant, ils vont en faire une bénédiction à part entre la 7e et la 8e bénédiction de la bracha de la délivrance et celle de la guérison. Il y a donc cette distinction. Mais attention, si le ministre officiant, alors d'abord, si le particulier, tout un chacun, vous avez oublié Shema Kolenu, eh bien, on peut se rattraper tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la bénédiction. Mais si on est arrivé à la fin de la bénédiction, le Anenu n'est pas une raison suffisante pour recommencer sa Amida. Et donc, on finira la Amida. Bon, ben, sans Anenu, c'est comme à l'Anissim. À la différence de Yalev Yavo, si on n'a pas dit le jour de Rosh Chodesh ou de Cholamoued, je ne parle pas de Arvit, de Rosh Chodesh, pas compliqué, mais juste pour les spécialistes. En tout cas, dans ces cas-là, on devrait recommencer. Si on n'a pas fait ces rajouts de Rosh Chodesh ou des jours de demi-fête, pour le jour de jeûne, non. On ne recommence pas l'Amida si on oublie Anenu. Pour le Chaliard Tzibour, c'est un peu la même histoire, avec une petite finesse intéressante au niveau halakhique. C'est que s'il si ne sait pas... il a oublié, ça peut arriver qu'il oublie qu'après Goël Israël de dire la Anenu, il commence Refaïnu. Alors, s'il a commencé Refaïnu, eh bien, tant qu'il n'est pas arrivé à la conclusion de la bénédiction de Refaïnu, de cette 8e bénédiction, il peut revenir à Anenu et puis refaire dans l'ordre. Mais s'il arrivait à la conclusion de la bénédiction de Refaïnu, alors il ne peut pas revenir en arrière. Par contre, il pourra dire Anenu comme le particulier, c'est-à-dire il rajoutera Anenu dans la 16e bénédiction de Shema Kolenu. Mais dans ce cas-là, il a fera sans sa conclusion spécifique quand c'est une bénédiction à part.
Attention, le ministre officiant ne peut rajouter à Ninou dans sa répétition de l'Amida que si il a une majorité de personnes, d'un minyan, pardon, qui jeûnent dans la synagogue. La majorité d'un minyan, c'est-à-dire qu'il y a au moins 6. Certains disent 7. Bon, c'est une discussion entre 6 ou 7. En tout cas, il faudrait qu'il y ait plus que 5 qui jeûnent pour pouvoir faire à Ninou dans la répétition de l'Amida. Quelque chose d'assez intéressant, vous savez, des fois, il peut arriver qu'on fasse mincha un peu tard et que la nuit va bientôt tomber et qu'on n'ait pas le temps de faire la répétition de l'amida. Bon, certains utilisent ce système de faire en une seule fois, même des fois shacharit, quand il y a des problèmes, on va dire, de temps. En tout cas, c'est une solution où alors donc le ministre officiant commence à voix haute, tout le monde suit à voix basse jusqu'à la kedusha et après on continue à voix basse. Alors si c'est jour de jeûne où le ministre officiant est censé à la répétition dire anenu avec une bracha à part, eh bien ce qu'on ferait c'est que on continue à voix basse après la kedusha, après la kadosh, jusqu'à anenu. Arrivé à anenu, donc entre la 7e et la 8e bénédiction, le ministre officiant reprend à voix haute pour que tout le monde puisse entendre le Anenu, et tout le monde se tait et écoute le Anenu du Shaliach Tzibur. Et après qu'il a fini Anenu, tout le monde continue à voix basse, et chacun refera le Anenu dans le schéma Kolenu, comme on doit le faire chacun dans sa propre Amida. Donc c'est une technique bon, qui est pas trop à utiliser, mais si c'est nécessaire, c'est comme ça qu'on pourrait faire. Alors le jour de jeûne, on sort aussi la Torah. On sort la Torah le matin, et on sort la Torah à Mincha, deux fois, mais on ne sort la Torah que s'il y a toujours au moins 6 personnes qui jeûnent. S'il n'y a pas un minimum de 6 personnes qui jeûnent, on ne pourra pas sortir la Torah. Maintenant, quand on sort la Torah, on va lire la paracha Vaïchal, la paracha donc spécifique au jour de jeûne. Et même si c'est un lundi ou un jeudi, ou de toutes les façons on aurait sorti la Torah, on ne lit pas la paracha de la semaine, on lit la paracha de Vaïchal. Par contre, si on est un lundi ou jeudi et qu'il n'y a pas 6 personnes qui jeûnent dans la synagogue, eh bien on sortira la Torah parce que c'est lundi ou jeudi et on lira la paracha de la semaine. Bon, parce que c'est lundi ou jeudi. Mais maintenant, bon, c'est pas une configuration qui est sympathique. Et il y a donc on sort la Torah le matin et on sort la Torah aussi l'après-midi. Alors imaginez, ça c'est un cas qui peut arriver. On commence mincha l'après-midi et il n'y a pas 6 personnes qui jeûnent. Il y a minyan, il y a plus que 10 personnes, mais des personnes qui sont malades et qui n'ont pas pu jeûner et on n'a pas 6 personnes qui jeûnent. Alors on peut pas sortir la Torah. Donc on va faire mincha sans sortir à la Torah. Et pendant la prière de mincha sont arrivés des personnes qui jeûnent et donc maintenant on a le quorum minimum de 6 ou 7 pour pouvoir sortir la Torah. Eh bien s'ils arrivent avant la répétition de l'Amida, eh bien le Shaliach Tzibur pourra répéter dans l'Amida dire anenu en une bracha spéciale parce qu'on le fait que s'il y a 6 personnes qui jeûnent, et après mincha, après on pourra sortir la Torah et lire dans la Torah puisque on l'a pas fait avant mincha. Normalement toujours à mincha quand on sort la Torah, que ce soit à Shabbat, que samedi après-midi, que ce soit l'après-midi de Kippour, ces deux après-midi où on sort la Torah, ou les jours de jeûne, eh bien on fait toujours la lecture de la Torah avant l'Amida. Eh bien là, si avant l'Amida il n'y avait pas le nombre de personnes qui jeûnent, eh bien on sortira la Torah après s'il y a le quorum des personnes qui jeûnent, qui sont arrivées entre temps. Il y a, après la lecture de la Torah, donc le jour de Tisha B'Av, le matin aussi, on fait une haftara, mais les autres jours de jeûne, on ne fait pas de haftara le matin, parce que le jour de Tisha B'Av, on n'est pas censé travailler, donc on a le temps, donc on peut faire l'haftara le matin et l'après-midi. Dans le rite séfarad, pratiquement dans tous les rites séfarad, on fait l'haftara le jour du 9 Av, aussi l'après-midi. Par contre, les autres jours de jeûne, alors chez les Ashkenazim, on fait l'haftara que l'après-midi, des autres jours de jeûne, Tisha B'Av aussi le matin, mais pour les autres jours de jeûne, ils font aussi. Pour les mincha, l'haftara, certains sfaradim, notamment en Afrique du Nord, ont fait aussi l'haftara à mincha. Évidemment, ce sera une haftara, donc, alors suivant les traditions, soit c'est dirchou, soit c'est shuva, c'est une haftara de teshuva, hein, qui est en place. Et donc, cette haftara se fera que, évidemment, si on a au minimum de 6 personnes qui jeûnent.
D'ailleurs, ne peuvent monter à la Torah que ceux qui jeûnent. Une personne qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la Torah, puisque le sens de cette lecture, c'est lié avec le jeûne. Et même si on appelait une personne, d'une façon générale, quand on appelle une personne, c'est pas bon de refuser de monter à la Torah, mais si une personne ne jeûne pas et elle était appelée par inadvertance, eh bien, elle doit s'excuser, enfin, dire « je suis désolé, je jeûne pas, je peux pas monter », et on peut pas faire autrement. De même façon, s'il y a qu'un seul Cohen dans la synagogue, habituellement, le Cohen monte toujours en premier, mais s'il ne jeûne pas, il montera pas. Même chose pour le Lévi. S'il ne jeûne pas, il ne pourra pas monter à la Torah. Question qui peut se poser des fois, c'est que normalement, celui qui va lire la Torah, c'est-à-dire, on ne parle pas de celui qui monte, mais celui qui lit le Shel'er Tzibur. Pour que ça ne fasse pas désordre, il faut aussi qu'il jeûne. Mais imaginez que le Shel'er Tzibur, c'est une personne âgée, et il ne peut pas jeûner pour des raisons médicales. Et c'est le seul qui est en mesure de pouvoir lire la Torah. Eh bien, comme il ne fait pas de bracha, puisque celui qui fait bracha, c'est celui qui monte à la Torah, il pourra quand même lire la Torah, même si, quelque part, c'est pas très top, on va dire. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect par rapport au jour de jeûne. Alors, seulement dans la tradition séfarade, parce que dans la tradition ashkénaze, vous savez, on ne fait pas la bénédiction des Kohanim tout le temps. On la fait que pour les jours de fête, parce qu'on veut que le Kohen soit dans la simcha, soit dans la joie, quand il fait la birkat Kohanim. Dans la tradition séfarade, il y a plusieurs traditions qui existent, mais le plus classique, notamment en influence de la Kabbalah, c'est de faire la birkat Kohanim tous les jours. Tous les Shabbatot, alors il y en a qui font que le Shabbat, pas tous les jours, mais le principe c'est de faire tous les jours, et notamment les jours de jeûne. Et quand on fait le jour de jeûne, alors on le fait à Shacharit, et il va avoir, donc la prière du matin, et il va avoir une particularité au jour de jeûne, c'est qu'on va pouvoir faire aussi la Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une façon générale, quand on ne fait pas la Birkat Kohanim à Mincha, c'est parce qu'on a peur que le Kohen ait eu un repas arrosé, et un Kohen n'a pas le droit, s'il a mangé, et surtout s'il a bu un peu d'alcool, il n'a pas le droit de faire la Avoda, le culte, et la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, est associée à la Avoda. Et donc, alors le matin, on est censé être à jeun. Oui, parce que c'est interdit de manger avant la tefila, donc c'est pour ça qu'il y a Birkat Kohanim le matin. Mais si on est à Mincha, un jour de semaine normal, on ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que le Kohen a peut-être mangé. Et s'il a mangé, donc il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Et c'est pour ça, d'une façon générale, tous les jours à Mincha, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Mais le jour de jeûne où on est censé jeûner, donc le Kohen n'a pas mangé, puisque c'est un jour de jeûne, eh bien il y aura Birkat Kohanim là à Mincha. Mais pour ne pas qu'on se trompe avec les jours de semaine, on fera la Birkat Kohanim à une Mincha qui ressemblera à la Ne'ilah du jour de Kippour, qui se fait, on va dire, dans les 40 minutes avant le coucher du soleil. Alors idéalement, c'est bien donc de faire Mincha tard, proche de la nuit, quoi, pas loin du coucher du soleil, et là de faire la Birkat Kohanim. Il y a une tolérance à partir du moment où on fait Mincha après le plague à Mincha, c'est-à-dire l'horaire, un horaire à partir duquel on peut faire rentrer Shabbat, qui peut être considéré comme la nuit, et pourrait avoir une tolérance de faire la Birkat Kohanim, même si on fait Mincha à ce moment-là, alors qu'on est bien avant la nuit. Et là, on va tomber sur une problématique un peu particulière de Halakha, puisque d'une façon générale, si on doit faire la prière du soir avant la nuit, parce qu'on l'a fait après Plague à Mincha, pour ne pas être en contradiction, on doit faire Mincha avant le Plague à Mincha, puisque si on considère que l'horaire de Plague à Mincha, donc cet horaire spécial, on va le considérer comme la nuit, pour pouvoir faire la prière du soir, pour pouvoir faire rentrer Shabbat, on ne pourra pas faire la prière de l'après-midi, qui est censée se faire le jour. Or là, je suis en train de vous dire que la prière de Mincha, pour pouvoir faire la Birkat Kohanim, il faut la faire après le Plague à Mincha. Et donc, on va faire nécessairement Mincha après le Plague Mincha pour pouvoir faire la Birkat Kohanim. Et bien, si on veut faire Arvit, alors soit on va attendre jusqu'à 22h45, quelque chose comme ça, en fonction de l'endroit où on est. Donc, ça fait tard. Bon, certains le font. Hein. Par exemple, chez les Chabad, il n'est pas question de faire Arvit avant la nuit. En Israël, que ce soit Ashkenaz ou Sepharad, surtout les Ashkenazim, mais enfin, en Israël, il est classique qu'on attende la nuit, parce que la nuit ne tombe pas trop tard. C'est plutôt vers les 20h. Donc, on peut attendre la nuit. En général, on attend la nuit pour pouvoir faire Arvit. Mais en Europe, notamment en France, on a l'habitude en été de faire Arvit alors qu'il fait encore jour, après l'horaire de Plague à Mincha. Et là, on va se trouver devant une contradiction. Faire Arvit après Plague à Mincha, mais avant la nuit, et alors qu'on a fait Mincha après Plague à Mincha.
Alors, c'est la préparation, c'est la nuit ou c'est le jour. Mais enfin bon, comme on est avec un minyan, comme on est avec une communauté, et que c'est compliqué de réunir le minyan avant, après, etc. Alors c'est pour ça que ce sera toléré de faire cette stira, cette contradiction de pouvoir faire mincha après plaga mincha et arvit après plaga mincha, mais avant la nuit. Bon, j'espère que c'était pas trop technique, mais enfin c'est bon. Je sais que parmi ceux qui écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont assez connaisseurs et qui sont à la recherche de la route un peu pointue, et faut donner à manger à tout le monde. Petite précision à propos de la birkat kohanim à mincha. Un Kohen qui n'a pas jeûné ne peut pas faire la birkat kohanim, bien évidemment, puisqu'il a... Ah, même s'il n'a pas pris d'alcool. Il y a un problème de bracha, etc. Donc, si le Kohen n'a pas pu jeûner, ce Kohen ne fera pas la birkat kohanim. D'autres Kohanim qui ont jeûné, eux, pourront faire. Voilà quelques aspects sur quelques halakhot sur le jeûne, et notamment la prière le jour du jeûne, qui me semble important, et que je voulais partager avec vous, tout en ayant conscience que pour ce jeûne donc du 17 Tammuz qui est repoussé au 18, il y a une seuda qu'on fera très attention à faire. C'est à la sortie de Shabbat, la seuda de Melave Malka, la seuda du roi David, de pour accompagner la reine du Shabbat, et qu'on fera avec bien pour avoir de quoi tenir pour le jour de jeûne. Mais enfin bon, sachez que ça se joue beaucoup dans le psychologique. Hein. On a en général, quand on est bien nourri, on est bien hydraté, on tient un jour de jeûne sans trop de difficultés. Faut pas trop. Alors, c'est vrai que s'il fait chaud, il y a canicule, etc., il faut prendre des précautions pour se mettre au frais, essayer d'éviter d'être trop exposé à l'extérieur et faire avoir une activité physique qui soit importante. On évitera dans la mesure du possible, mais c'est tout à fait faisable. Hydratez-vous bien, surtout avant le jeûne. Prenez des sucres lents, des pâtes, des choses comme ça avant le jeûne, et en général, même si c'est un jeûne qui est le plus long, parce qu'enfin, il commence pas depuis la veille, mais enfin sur la journée, c'est le plus long. Donc il faut bien tenir, et c'est celui qui inaugure la période qu'on appelle Beina Metsarim, période de deuil, où on n'écoute pas de musique. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va changer notre indicatif d'introduction, qu'on va reprendre celui de la période où on n'a pas de musique instrumentale. Et voilà, avec cette période de Beina Metsarim, chez les Ashkenazim, on s'interdit déjà de se couper les cheveux et de se raser. Chez les Sfaradim, se raser, c'est seulement chez Chalbo, la semaine de Tisha B'Av. Mais bon, se couper les cheveux, on peut être marmire comme le Harizal, dans la mesure du possible. Les ongles, on a le droit. Et puis, c'est surtout... Alors, les mariages, normalement, chez les Sfaradim, on autorise encore les mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais la tradition en Afrique du Nord est comme... dans les pays ashkénazes, de s'abstenir des mariages, que c'est l'usage qu'on a en France, depuis le 17 Tammuz, donc période de relâche au niveau mariage, sur Bar Mitzvah, etc. C'est la date de Bar Mitzvah, c'est la date de Bar Mitzvah. Hein, alors, est-ce qu'on peut faire une fête? Si c'est le jour même, ça peut être, il peut y avoir des tolérances, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques de cette période. Voilà, je voulais partager avec vous quelques halakhot sur le jour de jeûne. C'est important, cette veille de Shabbat Balak. Je ne vous ai pas fait beaucoup de divrei Torah, de chidushim sur la parasha de Balak, mais vous aurez l'occasion d'en développer à table ou en étudiant au courant de ce Shabbat. Pour l'heure, il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Surimer enu, umigvon ois ashurenu, heinenam levodod ishkol, ubagoim lo ishasho. Kimeroi surimer enu, umigvon ois ashurenu, heinenam levodod ishkol, ubagoim lo ishasho. Heinam, heinam, inam levodod ishkol, ubagoim lo.
hej nam, med nam levoda du skor. Uva god i med loj, 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 Kimero suri merenu, umigvon o sashurenu, eini nam levodo disko, uvago im do isashu. Kimero suri merenu, umigvon o sashurenu, eini nam levodo disko, uvago im lo hilo ino isashu. Hey nam, hey nam, me nam levodo disko. Uvago im lo hilo ino Hey nam, hey nam, me nam levo da disco. Uba go ni me lo 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 is ma show. I told you.